Big up. Je vais vous parler des quatre maladies d'excuses qui sèment la pauvreté dans notre vie. Alors, commençons par la première. Si tu fais partie des personnes qui mettent toujours leur santé en avant pour justifier le fait qu'ils ne peuvent pas réussir dans la vie, qu'ils ne peuvent pas saisir les opportunités, sache que tu souffres de la première catégorie de cette maladie, celle qui nous pousse toujours à présenter notre santé comme une raison. Ou j'ai mal au pied, vraiment, j'ai des palpitations de cœur, je ne peux pas faire un certain travail, je ne peux pas travailler dur. Oh, j'ai souvent les migraines, vraiment, je ne peux pas faire ceci. Tu vois que je suis handicapé, je ne peux rien faire. Si tu es de cette catégorie qui accuse l'état de santé pour ne rien faire, pour ne pas saisir les bonnes opportunités de la vie, pour ne pas aller chercher ta part de richesse, sache que tu es en train de dessiner le diable dans le mur. Cette santé, à force de pleurer sur elle, tu vas l'aggraver davantage, tu vas la détériorer. Elle va se détériorer davantage. Tant que tu appelles la mauvaise santé, elle vient s'installer. Mais avant d'accuser ta santé, rappelle-toi que Stevie Wonder, Amadou et Mariam, Tala André-Marie du Cameroun et plein d'autres handicapés sont devenus superstars de la musique alors qu'ils n'avaient pas des yeux pour voir. Rappelle-toi que Oscar Pistorius, l'athlète sud-africain, a décroché les médailles olympiques sur des prothèses, en courant avec des prothèses à la place des jambes, parce qu'il les avait perdues, ces deux jambes. Regarde autour de toi et vois toutes ces personnes handicapées qui sont leaders dans leur secteur, qui vont décrocher des fortunes sans regarder leur état de santé, simplement parce qu'ils ont cru à leur chance. Et toi, tu es là à t'apitoyer toute ta santé. Si tu n'arrives à rien décrocher dans la vie, ta santé n'y est pour rien. C'est juste ton état d'esprit qui est désastreux. Change ton mindset. Change d'attitude vis-à-vis de ta santé. Rends grâce et gratitude au Très-Haut pour le fait que tu es encore en vie, que tu respires encore, que tu peux t'élever, aller et venir sans te faire assister. Prie, dis merci à Dieu pour le fait que tu as encore ce souffle de vie. Pendant que d'autres sont couchés dans les hôpitaux, certains sont partis à la naissance. Toi, tu es encore en vie et tu accuses ta santé. Pourquoi? Laisse ta santé là où elle est. Colle la paix à ta santé. Elle n'y est pour rien. Change d'attitude. Arrête de parler de ton état de santé. Arrête d'évoquer ta santé partout. Ce n'est pas le fait d'accuser ta santé à gauche, à droite qui fera de toi quelqu'un de plus fort. Le jour où tu oublieras ton état de santé, tu verras comment tu es fort. Tu verras comment tu peux réaliser les choses. La seconde maladie des excuses, c'est la maladie des diplômes, la maladie de l'école. Et il y en a qui s'excusent de n'avoir pas été à l'école. Pendant que d'autres s'excusent d'avoir été trop loin à l'école pour faire certains trucs. Ils ont été tellement loin à l'école qu'ils ne peuvent plus descendre pour faire certains boulots. Ils préfèrent rester pauvres, attendre qu'on les assiste avec des gros diplômes dans les valises. Ils ont été tellement à l'école que non, je ne peux pas, avec mon bac plus 7 ou plus 10, je ne peux pas venir faire telle chose. Avec mon bac plus 10, je ne peux pas devenir commerçant. Avec mon bac plus 7, je ne peux pas être agriculteur. Avec mon bac plus 7, je ne peux pas venir élever les animaux. C'est trop dégradant. Pourtant, c'est des niches d'argent. C'est des niches de richesse. On n'a même pas besoin de diplôme pour faire ça. Et pour toi qui penses que parce que tu n'as pas été loin à l'école, la vie t'a tourné le dos. Rappelle-toi que 95% des richissimes en Afrique, 95% des fortunes africaines ont été bâties par des hommes qui n'ont pas été à l'école. Et aujourd'hui, ils emploient les hommes qui ont été très loin à l'école pour protéger et fructifier leur fortune. Pourtant, au moment où ils lançaient leur business, la plupart ne savaient même pas écrire leur nom. Juste leur attitude de guerrier les a guidés vers la conquête des richesses. Ils ont bâti des fortunes. Ils ont envoyé leurs enfants dans les plus grandes écoles au monde. Et oui, parce qu'ils ont compris que ça ne sert à rien de nourrir un complexe. Ce n'est pas le diplôme qui construit une fortune. C'est ton mindset. C'est ton attitude qui fera de toi un multimilliardaire, un multimillionnaire si tu veux t'arrêter au million. Une attitude de pauvreté, même avec les plus grands diplômes du monde, te maintiendra dans la pauvreté.
une attitude de gagneur, ça te fait oublier tes diplômes. Tu peux avoir fait de hautes études de droit. Et le lendemain, tu te retrouves cultivateur, agriculteur, et tu gagnes ta vie. Le grand défi sera demain de nourrir cette planète, cette population mondiale qui ne cesse d'exploser. Pense à comment les gens vont se nourrir demain, avant de regarder tes diplômes comme de l'or, comme du diamant, qui ne te sert à rien dans les valises. Oublie les diplômes, sors du complexe des diplômes, va chercher ta vie. Toi qui n'as pas eu et toi qui as été trop diplômé, arrête de dormir sur des diplômes pour rien, à ne rien faire parce que tu es trop grand pour faire certains métiers. D'autres ont même le toupet de critiquer ceux qui leur donnent de l'emploi. Ah non, avec mon doctorat, je ne vais pas aller travailler pour un illettré. Cet illettré-là, au moins, ça a créé une entreprise. Il veut te donner à manger, il veut même te payer un loyer. Tu as honte. Parce que tu trouves qu'avec ton diplôme, tu ne peux rien créer, mais tu trouves quand même à critiquer un illettré qui a bâti une entreprise, qui a besoin de toi dans son cerveau collectif. Et parlons du cerveau collectif. Tant que tu as un bon mindset, tu n'es pas obligé d'être fort dans tous les domaines pour te lancer. Si tu maîtrises ton idée, crée un cerveau collectif. Contacte les gens qui maîtrisent le marketing, qui maîtrisent le commerce, qui maîtrisent la production, la qualité. Mets-le dans ton équipe. Foncez! On ne doit pas tout maîtriser pour lancer une entreprise. Et la dernière excuse, l'une des excuses les plus farfelues, l'une des maladies les plus farfelues, c'est l'excuse de l'âge. Certains pensent qu'ils sont trop âgés pour se lancer. D'autres trouvent qu'ils sont trop jeunes pour commencer. Les mêmes qui se sentent trop jeunes pour se lancer là, allez voir comment ils boivent le whisky dans les discothèques. Allez voir comment ils se saoulent la gueule. Ils sont trop jeunes pour tenter leur chance dans le business, mais ils ne sont pas trop jeunes pour engrosser les filles, pour boire des whisky. Mais arrêtons avec ce phénomène de l'âge. Mais rappelez-vous qu'il n'y a pas un âge pour se lancer dans les affaires. Même à 90 ans, tu peux encore tenter ta chance. En bon entendeur, big up.